Good morning, allez, Yidane et Sistra, aujourd'hui le Nishmat Avram de Chai Ben Yitzhak et Fanny, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvorah Bat Esther, ainsi que l'Irfuat Avram Noach Ben Yehudit et Rachel Perle Bat Rivka, Betor Shakul Israël. Si vous savez aussi, d'une prochaine, d'une Mishnah, quand il y a 5 minutes éternelles. Nous étions à Sera tout au vote, Père Exeng Mishnah Teta, Ishinol Dubo Moumin, En Kofin Otto Lehotsi, Amar Ben Shimon Ben Gamliel Bame Dvarim Amorim Be Moumin Aktanim, Aval Be Moumin Agdolim, Kofin Otto Lehotsi. On a parlé dans la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on a parlé des défauts de la femme sur lesquels le mari peut prétendre qu'il ne voulait pas se marier avec elle, si c'est comme ça. Maintenant, on va voir avec une situation contraire, c'est que Aish Shenol Dubo Mouin, un homme qui a eu des défauts qui sont nés, par exemple, toutes sortes d'une grosse verrue qui lui est sortie comme ça en plein milieu du front, après mariage, la femme elle dit, chaque fois qu'il le regarde, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le forcer à divorcer sa femme, à lui donner tout bas? Alors, même principe aussi que pour la femme, c'est que ce qui arrive après mariage, c'est la faute à pas de chance. Ça n'existe pas de se marier, puis après coup, on a un changement de données. Je me suis avec une belle femme, elle donne du jour au lendemain, elle est moche, je ne peux plus la voir. Qu'est-ce que je fais? Sur ça, on ne peut pas avoir de conditions opposées, je peux pas. Je me suis engagé avec elle, j'ai acheté un champ, et le champ, au lieu que ça me rapporte de la part d'un ça, ça ne fait faire que des dépenses. Ça reste mon champ. Je suis marié avec une femme, je pensais que ça allait être super, c'est devenu très moche. Je suis obligé de rester avec elle, d'accord? On peut prévoir, je pouvais prévoir que ne pas arriver dans cette situation. Mais une fois qu'on s'est marié et qu'après coup ça arrive, alors je dois assumer. D'accord? Je peux plus divorcer la femme sans tout bas. Le même principe aussi pour Aish Shenol Dubo Moumin, un homme qui a eu des défauts qui lui sont nés, en Kofin Oto Lehotsi, on ne le forcera pas à sortir sa femme, à la divorcer. D'accord? S'il a eu des défauts donc qui lui sont nés. Ça, c'est qu'une fois qu'il a eu après Nisuin, une fois qu'il avait fait la choupa avec elle, et que 3 jours après, il s'est fait, le pauvre, il a perdu un doigt, et la femme, elle ne peut plus voir son mari sans le doigt. Elle demande à divorcer, on lui dit non, tu te maries avec lui, tu restes avec lui. Maintenant, par contre, si c'était pas, s'il avait juste fait les fiançailles, les kiddushin, mais ils n'avaient pas fait les Nisuin, alors on ne va pas forcer la femme de continuer à se marier avec lui. Elle peut dire, jusqu'à maintenant, je vais marier avec quelqu'un de bien. Je peux plus, là on va lui dire, non écoute, tu lui donnes le guet, d'accord? On va le forcer. Maintenant, Amar Rabban Shimon Ben Gamliel, sur ça il vient Rabban Shimon Ben Gamliel et il dit, de quoi on parle ici? Uniquement Bemoumin Akhtanim, quand c'est un petit défaut. Il précise pas c'est quoi un petit défaut, mais par contre, Aval Bemoumin Akhtanim, si c'est un gros défaut, alors Kofinotol aussi, sur ça on va le forcer à divorcer sa femme, que si la femme elle réclame bien évidemment, et on aura des cas de cas plus détaillés dans la prochaine Mishnah. Mais pour le moment, on a le Barthénora qui nous dit, pour ceux de Rabban Shimon Ben Gamliel, il va donner des exemples concrets en nous disant que par exemple, il a eu un œil crevé. La femme maintenant ne peut plus voir son mari avec un trou à la place d'un œil. Ou encore, Nikteria de lui manque une main. Nishbera Raglo, il lui manque un pied. Alors là, selon Rabban Shimon Ben Gamliel, alors la femme, elle sera en droit de demander à ce qu'on. Ce que. À dire que je. Jusqu'à maintenant, je pouvais supporter, maintenant je peux plus supporter avec mon mari. Je réclame mon guet et elle devra recevoir le guet. La halakha n'est pas établie comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Et donc, si toutefois ça arrive, Khalila, Chasu Shalom, et bien malgré tout, le mari n'aura pas le droit, n'aura pas besoin de divorcer sa femme, et encore moins de le donner tout bas si toutefois il la divorce. D'accord? Prochaine Mishnah, on va commencer à découvrir maintenant des cas qui sont. Des cas de défaut que la femme sera en droit de réclamer de recevoir son guet et sa ktouba même. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.